Un spectacle sur l'art, la route des rêves. Nous sommes présents au théâtre pour accueillir les 150 étudiants que nous avons invités et également les administratifs des écoles partenaires et directeurs d'école pour passer ce moment ensemble. Plusieurs de nos DRH de filiales seront présents ainsi que nos responsables recrutement. Et puis montrer aussi le plaisir que j'ai à travailler pour susciter peut-être des vocations et également montrer aux jeunes filles que ce n'est pas un milieu uniquement d'hommes. Je trouve ça intéressant de voir que des entreprises de bâtiments, enfin, d'une part, d'un côté très technique, peuvent aussi avoir une vision, enfin une sensibilité à l'art. C'est une certaine ouverture d'esprit qui est intéressante. Quand on pense à Colas, on pense pas forcément tout de suite à l'art et au mécénat qu'ils font derrière. Et c'est aussi une autre façon d'approcher les étudiants. Ça dénote aussi une volonté de vouloir épanouir tous les employés. La fondation Colas, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et donc ça donne envie aussi d'effectuer un stage dans cette entreprise dans le futur. Je pense qu'on a déjà, en tant que jeune, pas tout le temps l'habitude d'aller au théâtre. Et quand on voit comment ça se passe à la fin, que tous les jeunes sont debout, rapplaudissent, encouragent les artistes, on voit clairement que ça leur a plu. Et du coup, on sait que c'est une entreprise qui est dynamique, qui essaye toujours d'innover. Et je pense que c'est ça qui nous plaît chez Colas aujourd'hui. C'est clairement un avantage, ça montre qu'ils sont désireux de se diversifier et de faire des choses nouvelles. Ça s'est super bien passé. C'est un spectacle qui nous enchante, nous tous, mais vraiment. En même temps, il y a de la pression, hein. Je ne vais pas mentir. Hein, parce que faire des numéros comme ça, les uns après les autres, c'est quand même pas évident. Mais moi, je suis pour qu'on le rende tout aux Égyptiens. Même la Vénus de Milo? Tout, je te dis. Éric? Oui? Tu sais que la Joconde était pareille que sur le tableau? Dans la vie? Trait pour trait. Bah alors à quoi ça sert de la peindre? Je te le demande. On se rend compte que la peinture, c'est pareil que la danse, que la musique, que le théâtre aussi. Ça va être quelque chose qui va transmettre un message, qui va parler à tout le monde en fonction du regard qu'on porte sur l'œuvre. Ça va nous communiquer quelque chose et on va en ressentir une émotion qu'on va partager après. J'en ai rencontré deux ou trois là, d'étudiants là, qui m'ont dit tout le bien qu'ils avaient pensé du spectacle. Ça aussi, hein, ça, le spectacle, j'ai l'impression qu'il touche pas mal de couches de génération. Je pense que c'est un plus parce qu'il faut toujours de la création. Après, il faut apporter une démarche technique derrière, mais sans création, je pense qu'on n'avance pas. Décider d'être émouvant, d'aller vers l'émotion, d'aller vers la création, qui sont des choses fragiles, parce que la création, c'est l'inverse. Alors probablement qu'un ingénieur me dirait qu'une route aussi est fragile. C'est un extincteur. Non. Je te dis que c'est un extincteur. C'est pas sûr, Marie-Christine. Bon, on y retourne. Il faut soutenir cette fragilité-là, et qu'une entreprise de BTP, c'est-à-dire la solidité même, s'intéresse à la fragilité des artistes, je trouve ça très, très poétique, très, très important.